Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Quel est le message pour toi? Le berger et ses moutons. On veille sur nos moutons. Érotique. Ah, bien là, vous savez ce qui me traverse l'esprit? Le harem. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. C'est ce qui me traverse l'esprit. Allons-y. Continuons. Univers et voyage. On me présente une personne qui est appelée à voyager beaucoup, qui fait beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Continuons. La carte sacrifice et la femme riche. Et la carte qui me parle c'est un travail ici, j'ai l'impression qu'on me parle de contrat de travail. Un nouveau contrat qui arrive. Un nouveau contrat, c'est inattendu. Je pense qu'on est appelé ici à voyager. Contrat de travail. Et on me présente la carte du sacrifice et la femme riche. On est en attente. Il y a une femme qui est dans l'attente. Explorons. Et ici, érotique. On dirait qu'on protège un clan. On protège. Au tout début, j'ai eu harem qui m'a traversé l'esprit. Bon, c'est une personne qui peut travailler aussi dans les soins. Je pense en fait que je rencontre une personne qui attendez un peu. J'ai besoin de comprendre. J'ai l'impression qu'on a plus d'une femme. C'est un berger érotique. Ici, l'étranger. Ça peut faire partie de nos croyances aussi. On a des permissions. Ici, nouveau contrat de travail. Bon. Continuons d'explorer. Un voyage à l'étranger. On me parle d'un voyage à l'étranger. J'ai besoin de comprendre parce que je ressens comme une résistance. On est embarrassé. Sagesse, c'est la carte qui me dit apprends de tes expériences passées.
Ici, on dirait qu'on me parle de déménager. On quitte, on s'en va vivre dans un autre pays. On veut la paix. Je rencontre une personne qui veut la paix. Je m'en vais. Ici, on dirait qu'il y a une permission. J'ai le droit d'avoir plus d'une femme. C'est permis. C'est étrange, mais c'est ce qui me traverse. Ici maintenant, sacrifice et la femme riche, qu'est-ce qu'on veut me dire? La femme est au service. C'est une femme qui est au service. Je pense que là, je rencontre une personne qui... Bon, je ne sais pas quelle est la religion, les croyances. Ici, c'est la femme qui est au service. Et j'ai vraiment l'impression de rencontrer l'homme qui a le droit, qui a la permission d'avoir plus d'une femme. C'est ce que je ressens. Ici, voyage à l'étranger. On veut être en paix ici. On veut se libérer des ennuis. Réalisation des souhaits. Sacrifice. Ici, on est à l'aise. On peut réaliser tout ce qu'on veut. C'est la femme qui est représentée avec la carte du sacrifice. Elle est au service. Ça fait partie des croyances. Elle est au service de l'autre et elle peut faire ce qu'elle veut. On est dans l'abondance ici. Ici, nouveau contrat, nouvelle occasion, un nouveau contrat de travail. Ici, on est engagé. Je ne ressens pas une personne qui subit sa situation. C'est ainsi. Ça fait partie du compromis. Ça fait partie de l'engagement, du contrat. Ça fait partie de nos croyances. C'est ce que je ressens. Donc, c'est une femme qui a fait le choix de servir son autre. Elle est engagée. Elle prend soin de l'autre. Elle est à son service. Réalisation des souhaits, c'est une carte qui exprime la joie, le profond contentement. Donc ça va, tout le monde est bien avec ce que je perçois jusqu'à présent. Ici, destinée et le travail. Ici, on me parle d'occasion. Bon, attendez un peu. Ici, j'ai une autre version qui se présente à mon esprit. Je fais des rencontres sur mon milieu de travail. Je saisis des occasions. Il y a ici l'esprit du jeu. On peut me parler... oui. C'est des rencontres. On me présente des rencontres sur le milieu de travail. OK. Au tout début, j'ai vu contrat de travail. Ici, ce n'est pas reposant. C'est une personne qui bouge beaucoup. Je rencontre une personne qui bouge beaucoup, qui n'a pas le temps de se reposer, qui travaille beaucoup.
Peut-être ici qu'on me parle de plusieurs contrats de travail. C'est une personne qui travaille fort. Beaucoup de contrats. On n'a pas le temps de se détendre. On n'a pas le temps de se reposer. Ici, recevoir un message, une communication, lettre agréable. Bon. Et ici, j'ai l'impression qu'on fait des rencontres. Une lettre agréable. Bien, en cette zone, je peux voir une occasion qui se présente ici. Un nouveau contrat de travail. C'est une bonne nouvelle. On n'a pas le temps de s'arrêter. On travaille fort ici. On saisit toutes les opportunités, toutes les occasions. C'est une personne très travaillante. Je peux aussi rencontrer ici une personne qui saisit des occasions d'aventure sur son milieu de travail. Bon, ici, la carte numéro 1. Une nouvelle aventure qui commence. Un nouveau travail, une nouvelle aventure qui commence. C'est un changement. Et on me présente une personne qui peut porter un costume, l'uniforme, un habit, l'uniforme. On peut me parler ici d'un policier, on peut me parler d'un médecin. C'est une figure d'autorité. On peut travailler au sein du gouvernement. Ici se présente peut-être un nouvel emploi au sein du gouvernement. Aussi, on peut me parler ici d'une personne qui porte l'uniforme, qui assure la protection, la sécurité financière. C'est une personne ici très talentueuse avec la carte de l'éveil, qui a beaucoup de... J'ai l'impression aussi de rencontrer une personne qui a beaucoup de talent, qui peut accomplir beaucoup de projets. C'est une personne qui peut travailler dans plusieurs domaines et réussit très bien dans plusieurs domaines. On n'a pas le temps de s'arrêter. C'est une personne qui bouge beaucoup, une personne passionnée. Bien là, ici, on dirait qu'on reçoit une bonne nouvelle, nouveau contrat. Un changement ici, c'est une carte qui me parle d'un... On peut très bien changer d'orientation, on accepte un nouveau contrat. Ça bouge ici. Ça bouge beaucoup. Je vous le dis, on n'a pas le temps de se reposer. On travaille fort. C'est une personne très talentueuse que je rencontre, qui a beaucoup d'habileté. Bon. C'est la carte qui exprime un nouveau commencement, un changement. Un changement positif. Ça tourne dans le sens positif. La roue tourne dans un sens positif, dans le sens du succès. On saisit des nouvelles occasions. Je crée ici ma réalité. Je crée ma réalité. C'est l'artiste créateur aussi. Là, ici, étant donné qu'on me parle de protection, on peut aussi penser protection, étant donné que j'ai vu tantôt, ça m'a traversé l'esprit, plusieurs rencontres sur le milieu du travail.
Étant donné qu'on a commencé avec érotique, et les moutons. Les petites brebis. Mais ça semble être permis. Je ne ressens pas de trahison dans le jeu. C'est quelque chose qui est permis. Lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà. C'est ce que je vois ici. Bien, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.